Là, du coup, j'attends Marie pour qu'on puisse faire le petit call. On est mardi aujourd'hui. Ça a été décalé du coup parce qu'elle était sur Paris hier. Donc, on fait notre petit call de la semaine aujourd'hui, cet après-midi, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire, pour préparer le shooting d'Assistana qu'on aura jeudi. Parce que du coup, je dois l'assister sur un nouveau projet. J'essaierai de vous embarquer avec moi. Et voilà. Hello, on est jeudi matin, il est 8 h quelque chose. Finalement, j'ai pas eu besoin de monter pour aller travailler avec Marie aujourd'hui. Donc je suis plutôt contente parce que du coup les jours où je dois monter chez elle, le réveil est beaucoup beaucoup plus tôt, genre 6 h. 5 h 30 quand je dois sortir Maze. Donc plutôt contente de ne pas avoir besoin d'y aller, pouvoir me reposer. Je sais pas toi, mais moi, l'hiver et en ce moment plus particulièrement, j'ai besoin de beaucoup beaucoup dormir. Parce que là, du coup, je me réveille, il est 8 h, et encore je me réveille parce que j'entends mon chéri qui travaille en bas. Mais je me suis couchée, il était 22 h 30. Donc en ce moment, je dors entre 9 et 10 h par nuit. Voilà, donc je me dis que mon corps en a besoin. C'est cool, je peux me le permettre, tu vois, vu que bah, je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Donc c'est aussi ça l'avantage d'être à son compte, de pas avoir d'impératif, de devoir mettre le réveil le matin ou quoi que ce soit. Donc c'est cool, j'en profite. Je sais que l'été, j'ai besoin de moins de sommeil, voilà. C'est comme ça, c'est l'hiver, mon corps me réclame plus d'heures. Donc c'est ok, j'accepte et je profite pour dormir quand je peux. Et du coup, vu que j'ai pas besoin d'aller travailler aujourd'hui, enfin, d'aller travailler avec Marie, ça va être une journée plutôt cool. On a entraînement à midi. Je vais essayer de t'embarquer avec moi. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer ou pas. C'est toujours compliqué parce que vu qu'on est entre 6 et 8, ben certains veulent pas être sur. Sur la vidéo, ce qui est normal, tout à fait compréhensible, mais du coup, voilà, je sais jamais en avance ce que je peux filmer, ce que je peux pas filmer. En fonction des WOD aussi, c'est compliqué de poser son téléphone et de faire le WOD et de couper, machin. Donc voilà, j'essaierai de te filmer 2-3 trucs quand même. Je sais même pas si c'est WOD ou Altero aujourd'hui. Non, je crois que c'est le WOD à midi. Donc voilà, on va aller s'entraîner et ça va être une journée cool. Hello, c'est la Noémie du montage et en fait je me rends compte que la semaine dernière j'ai quasiment rien filmé. Donc voilà, ça sera un mini vlog de 4 ou 5 minutes. Et c'est ok en fait, enfin, j'espère que pour vous c'est ok aussi. Mais voilà, pour moi ça l'est parce que bah, comme je te le disais dans la vidéo précédente, si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir sur le début d'année difficile, les questionnements, le fait de voir tout le monde prendre des nouvelles résolutions, poser plein d'objectifs et finalement se rendre compte qu'il y a peut-être une perte de sens et tout ça. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Donc voilà, il y a encore des jours où c'est haut et des jours où c'est bas, c'est un peu les montagnes russes. Et j'ai pas envie de me forcer pour créer du contenu parce que je pense que si je suis pas bien, ça va se ressentir dans mon contenu. Donc je préfère faire des
vlogs, même si c'est des mini-vlogs, justement que de 4 ou 5 minutes. Mais voilà, j'espère que toi, ça te posera pas de problème que le vlog soit aussi court. Je suis en train de réfléchir à des nouveaux concepts que je pourrais intégrer sur ma chaîne. Voilà, est-ce que ça va être du TikTok un petit peu dans ce sens-là, où vous me posez des questions, j'y réponds sur un thème particulier? Je sais pas encore. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. C'est la fin de cette vidéo, si jamais vous voulez me suivre plus quotidiennement que juste une fois par semaine, bah, je vous invite à aller sur mon Instagram, c'est Noémie Gaillon, tout simplement. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!